Bonsoir à tous. En ce 8 mars, à l'occasion de la Journée de la Femme, eh bien, la rédaction de KTO, en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, met à l'honneur des femmes africaines. Du pape Jean-Paul II, qui canonisa en 2000 Bakita, esclave soudanaise, en passant par Benoît XVI dans son exhortation après le synode sur l'Afrique, ou encore à François, l'Église met au cœur de son enseignement et de son action la dignité de la femme égale à celle de l'homme. Mais cette dignité reste encore un combat. Dans la plupart des 54 pays du continent africain, les femmes vivant en milieu rural ont encore peu accès à l'éducation, sont dépendantes économiquement, peuvent subir des mariages forcés, des viols, sont parfois contraintes à la prostitution pour survivre. Et pourtant, et c'est le paradoxe, ce sont les femmes qui assument le quotidien de leur famille. Alors dans les villes, la situation est un peu différente, elles ont plus accès à l'éducation, à un travail, nous en parlerons, nous verrons à travers des reportages et interviews comment des femmes chrétiennes agissent au Bénin et en Centrafrique pour la dignité, pour plus de dignité chez la femme, chacune à leur manière, eh bien elles se battent là où elles vivent. Et sur le plateau de cette émission spéciale, eh bien des femmes engagées nous ont rejoint. Sylvie Bucari de Pontual, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Comité catholique contre la faim et pour le développement. J'ai envie de vous poser une première question. Quand on voit tout ce qui se passe, les difficultés qu'on peut voir concernant l'Afrique, on se dit, ce combat pour la dignité, est-ce que ce n'est pas un peu un écran de fumée ? Pas du tout, pas du tout. Ça fait une trentaine d'années aujourd'hui que je suis engagée dans ce combat de différentes manières et j'ai vu et constaté sur le terrain de véritables avancées. C'est-à-dire de plus en plus de femmes qui se mettent debout, qui se rassemblent, qui s'unissent, qui s'organisent pour faire entendre leur voix, pour accompagner leurs enfants dans une vie meilleure. Et elles s'y engagent pleinement pour voir reconnaître aussi leur dignité face aux hommes et avec les hommes. Je crois que c'est très important, et de ne pas les confronter les uns par rapport aux autres, parce qu'elles sont la société et elles forment la société. À vos côtés, Sœur Jeannette Londa-Djim, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tchadienne, vous êtes religieuse, membre de l'Institut des Sœurs de Saint-Joseph. Tout à fait. Alors, vous avez travaillé pendant 7 ans au Sénégal, auprès de femmes catholiques, puis 6 ans en Algérie, où tout en participant à la mission des Jésuites dans un centre spirituel, eh bien, vous étiez engagée dans une association qui s'occupe des droits de l'enfant et de la femme. Mmh. Et donc, vous êtes en France depuis quelques mois. C'est ça. Alors, votre congrégation, elle a été fondée au XVIIe siècle. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu l'histoire de la dignité de la femme ? Tout à fait. C'est une histoire d'autonomisation des femmes. Et je crois que nos fondatrices, elles n'étaient pas riches pour leur époque. Et elles avaient pris un habit d'autonomisation des femmes, qui est l'habit des veuves à l'époque, pour pouvoir exister, aller vaquer à leur occupation, s'occuper des pauvres. Donc, je suis fière aujourd'hui de m'inscrire dans cette lignée-là des femmes qui osent travailler pour que la femme soit reconnue comme telle. On poursuit ce tour de table avec Yolande Francisco, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes béninoise, vous êtes laïque consacrée, vous vivez à Paris, mais vous retournez régulièrement dans votre pays, oui. Le Bénin, où vous enseignez notamment à la faculté de sciences politiques et juridiques de Parakou. Tout à fait, c'est cela. Et vous êtes également engagée en politique dans votre pays, présidente de l'association Miss Bénin France, qui met en place des projets de développement dans votre pays. Tout à fait. En fait, le projet Miss Bénin France et Diaspora, c'est en fait sensibiliser les jeunes filles issues de la diaspora, d'origine béninoise, qui sont ici, qui sont un peu perdues et qui sont vraiment ancrées dans la culture française ou européenne. On les sensibilise à retourner un peu vers leur pays d'origine, à comprendre un peu le fonctionnement de la culture d'origine et à porter un projet, c'est-à-dire qu'on parle d'une trilogie de beauté, c'est-à-dire que c'est des ambassadrices culturelles que nous recherchons. On regarde d'abord ce qu'elles ont, l'élégance, la présentation, la posture physique. Mais c'est ensuite plus qu'un concours de beauté. Évidemment. Un concours, c'est sous couvert de concours de beauté, oui, mais oui. C'est-à-dire que la beauté, elle est multidimensionnelle. Hein. Donc, il y a d'abord la beauté physique, c'est-à-dire la propriété sur soi, la posture, la beauté intellectuelle, en avoir dans la tête,
et ensuite la beauté du cœur, la générosité. Donc ces filles, elles sont examinées, elles sont étudiées sur ces trois critères, être belle, être propre, être intelligente et avoir du cœur, avoir un projet social, un projet de développement vers le pays d'origine. Ouais. Et on termine ce tour de table avec un homme, hein, quand même. On ne reste pas qu'entre femmes en ce 8 mars. Les hommes sont importants. Bruno Angstein, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission Afrique au CCFD, Terre solidaire. Alors, il y a 54 pays en Afrique, je le disais, avec bon, évidemment des situations très diverses. Mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont les situations communes aux femmes dans ces pays? Oh, ce qui est commun, c'est que dans ces sociétés, les valeurs conservatrices traditionnelles sont très prégnantes, c'est-à-dire la manière d'organiser le pouvoir, de le vivre de manière très verticale, avec des relations très hiérarchiques, n'est-ce pas, dans les sociétés, et qui se traduit en particulier par une place de la femme plutôt minorée, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans sa participation à la vie sociale. Donc ça, c'est le point commun. Après, effectivement, vous l'avez rappelé dans votre introduction, les villes sont plus ouvertes au monde. Et donc les femmes, souvent, ou les jeunes femmes, sont plus éduquées, ont accès à l'éducation. Oui, bien sûr. Il y a aussi, c'est un lieu de mixité culturelle, ce qui fait qu'il y a une atténuation du poids coutumier. Il y a aussi une forme de libéralisation des mœurs. Tandis qu'à la campagne, et il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, à peu près la moitié de la population africaine vit encore, soit dans les campagnes ou dans les petits bourgs intermédiaires, lequel, évidemment, la tradition est beaucoup plus forte. Et là, on va retrouver quand même à la fois cette minoration du rôle de la femme, mais surtout le poids qui pèse sur elle en termes économiques, elle est très marginalisée, mais surtout les violences. Hein, on retrouve un peu partout encore le poids de l'excision, le poids de la violence physique. On retrouve les mariages forcés, vous en avez parlé, et ça pèse vraiment et ça a des effets très malheureux sur la question des jeunes filles, de la santé, on en parlera probablement. Justement, on va parler de ces nombreux défis, on l'a compris, hein, qui touchent les femmes en Afrique. Il y a notamment les violences sous toutes ces formes qu'elles subissent encore trop souvent, notamment dans le cercle familial. Un exemple au Bénin, en Afrique de l'Ouest, dans ce pays de 11 millions d'habitants, dont 51,5% de femmes. Les mariages forcés et précoces restent répandus, même s'ils sont interdits par la loi béninoise depuis 2004. Des associations se mobilisent pour lutter contre ces pratiques. C'est le cas de Sindo qui agit pour l'autonomisation de la femme dans la société et dans sa vie familiale, en particulier en milieu rural. Elle aide ainsi des femmes qui ont subi un mariage forcé à entamer des démarches juridiques et fait de la sensibilisation auprès des familles. Mais rares sont les victimes qui osent parler. On regarde ce reportage de Sybille Delettre dans la région de Soava, au sud du Bénin. Posées au milieu du lac Nokoué dans le sud du pays, les maisons de bois de Soava. Il y a des siècles, les Béninois s'y sont réfugiés pour fuir l'esclavage. Aujourd'hui, la tradition y dicte sa loi plus que n'importe où dans le pays. Les principales victimes, les femmes, chaque année, elles sont des dizaines victimes de mariages forcés. Au Bénin, où 65% de la population a moins de 25 ans, on estime qu'une jeune fille sur 10 serait victime de ce fléau. Un calvaire comme une fatalité. Certaines sont promises par leur famille alors qu'elles sont encore dans le ventre de leur mère. Mais si aujourd'hui la parole se libère et que ces femmes arrivent à parler, c'est grâce au travail d'ONG comme Sindo. Colette est devenue militante parce que sa sœur aînée a elle-même été enlevée et violée alors qu'elle n'avait que 17 ans.
Aujourd'hui, elle essaie de former et d'informer sur cette pratique d'un autre âge. Sindo fait de la formation mais aussi de l'assistance juridique. Le mariage forcé est interdit au Bénin depuis 2004. Les animatrices accompagnent donc les femmes qui veulent porter plainte contre celui qui les a épousées de force. Quand elles parlent, elles racontent leur vie là. C'est à force de parler qu'elles arrivent à se maîtriser. Sinon au début, elles pleurent. Quand elles se mettent à raconter comme ça là, d'autres n'arrivent plus à finir. Mais à force de les interroger, de pénétrer leur vie, elles arrivent à s'extérioriser. Et comme nous-mêmes, on est des femmes, je suis femme aussi, elles sont femmes. Donc ça peut m'arriver aussi. Grâce au travail de sensibilisation d'associations comme Sindo, les mentalités et le regard de toute une société changent doucement sur ces traditions. Une prise de conscience qui passe d'abord par les plus jeunes générations. Yolande Francisco, voilà, on vient de voir un reportage qui se passe dans votre pays. Tout d'abord, quel regard vous portez sur ces situations où vous êtes éduquée, une femme de citadine, voilà, qui vit en plus à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous inspire en voyant ça? Qu'est-ce que ça m'inspire? En fait, c'est les réalités, hein, c'est tout à fait vrai, ouais. C'est ce qui se passe. Mais n'occultons pas le fait qu'il y a aussi une avancée notable, les choses évoluent. Effectivement, les femmes sont un peu laissées à elles-mêmes. Elles ne sont pas reconnues à leur valeur et dans leur valeur. Et donc, nous, les femmes engagées d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mobilisons. Nous qui sommes sortis du pays, qui avons vu autre chose ailleurs, nous sommes dit non. Et ensuite, on regarde aussi un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde. Personnellement, moi je suis en phase avec les objectifs de développement durable, surtout dans les objectifs 5 A et B, où il faut qu'on se batte, tout le monde doit se battre pour une autonomisation de la femme et des jeunes filles, et aussi pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision. Mmh. Et c'est mon combat. Je pense que je l'ouvre effectivement cette action des deux femmes béninoises qui sont à l'origine de cette association, qui veut dire, j'aime bien quand vous le prononcez, mais c'est pas tout à fait ça, c'est Sindo. Sindo, ça veut dire à la base, depuis la base pour émerger. On parle de la base pour émerger. Effectivement, la femme est la base de toute chose. La femme est à l'origine de la formation même de la société. Sans femme, il n'y a pas de postérité. La femme est aussi une co-créatrice. La femme est une sorte de Dieu en soi. Donc, je pense que Sindo, ça veut dire vraiment, ça concerne vraiment la femme et ça doit prendre en compte la femme dans ce qu'elle est comme porteuse de valeur. Alors, considérée comme un dieu, vous le dites vous-même, Sylvie Bucarit-Pontual, pourtant, on le voit bien, il y a encore évidemment des tas de mots qui touchent la femme en Afrique, les viols, les excisions, de la prostitution économique. Et pourquoi est-ce qu'on en est encore là? Parce que vous avez encore oublié une partie de ces mots et qui montre l'étendue en fait des défis auxquels elles ont à faire face. Moi, j'y ajouterais toutes les discriminations qu'elles subissent, discrimination en particulier par rapport à un certain nombre de droits, l'accès à la terre, la question de l'héritage. Souvent, il y a une discrimination très forte à cet égard. Vous avez, au fond, la non-possibilité pour beaucoup de femmes d'accéder à un certain nombre de droits aussi élémentaires que l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation. Il y a une véritable différenciation. J'ajouterais aussi l'accès aux droits civiques et politiques, parce que ça a des conséquences. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est tout simplement une sous-représentation, voire dans certains pays, une absence de représentation des femmes dans la sphère de décision politique, à tout niveau que ce soit. Je ne parle même pas du niveau national, mais au niveau régional, local. Au niveau local. Et même, je vais en dessous, je vais dans des lieux aussi quotidiens que
par exemple les centres communautaires ou encore des centres scolaires. C'est-à-dire que même dans la vie quotidienne, les femmes souvent sont dépourvues de ce pouvoir de décision. Plus, évidemment, tout ce qui a été déjà évoqué, il y a d'une certaine manière une marginalisation assez généralisée au sein de la société, au sein des communautés. Donc quand vous faites face à, je dirais, une telle mise à l'écart, finalement, de tous ces centres de décision, le défi est immense. Le défi est immense parce qu'il y a une complexité de facteurs contre lesquels il faut se battre. Et moi, je dirais que le premier d'entre eux vient des femmes elles-mêmes. Comment voulez-vous que ces femmes qui subissent tant de facteurs d'adversité, finalement, et le courage, toute seule, de se lever pour dire « Allez, je vais aller parler, je vais essayer de dire ce que je pense et je vais essayer de proposer des idées. » Toute seule, c'est impossible. C'est impossible. Donc le défi, le premier défi, c'est d'arriver à se rassembler, c'est d'arriver à se réunir pour se donner de la force, pour se donner du courage. Ça passe par des actions collectives. Hein. Absolument. L'intelligence collective, la cohésion sociale à l'intérieur même du corps des femmes, du corps féminin des femmes, elle est fondamentale avant de pouvoir faire quoi que ce soit, finalement. Sœur Jeannette, vous avez cette expérience-là de terrain auprès de femmes, justement, qui se regroupaient, hein, au Sénégal et en Algérie. Dites-nous un peu, voilà, comment est-ce que là-bas elles agissent ? Bon, en Algérie, comme les femmes n'ont pas... Enfin, beaucoup de femmes sortent, mais il y en a beaucoup, quand elles sont mariées, n'ont pas le droit de sortir. Donc, pour se retrouver, parler ensemble de ce qui les motive, de leurs problèmes... Comment vous les retrouvez ? Où est-ce qu'il faut aller les voir ? On les retrouve dans nos espaces d'église, oui, qui suscitent de la confiance. D'accord. Donc, ces femmes, les hommes ont assez confiance dans les sœurs. Donc, les maisons des sœurs peuvent être un lieu où les femmes peuvent venir, d'accord, en toute liberté, retrouver d'autres femmes, échanger entre elles... parler de l'éducation des enfants, parler des soucis qu'elles ont, y compris des questions de violence. C'est comme ça que a émergé, parce que la vie familiale est une vie qu'on aime protéger, donc... Elles osent parler de ces choses-là ? Elles osent parler quand elles sont en confiance. Et après ça, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des actions ? Il y a des actions d'encouragement. Et puis petit à petit, elles osent, mais il faut du temps aussi pour retrouver une confiance en soi, dans l'autre, avant d'arriver à des sphères. Et à côté, on a des femmes qui sont aussi, qui militent dans l'association où je suis. Ça fait partie des choses que nous faisons. On évoquait la question d'accès à la terre. En Afrique, il y a des lois qui protègent la femme, mais beaucoup de femmes... ne la connaissent pas. On vient de l'entendre dans le reportage tout à l'heure. Donc, l'association où j'étais fait un travail de vulgarisation pour que les femmes... Former ces femmes. Voilà, pour former ces femmes, pour qu'elles découvrent leurs droits, qu'elles y ont droit, et apprennent aussi à revendiquer. Donc, ça fait partie des choses que l'association fait. Faire connaître les droits des femmes est dicté par la loi. Alors, il y a aussi les pays en crise, et notamment la Centrafrique. Depuis 2013, elle est contrôlée par des groupes armés, des seigneurs de guerre qui ont la main sur les richesses. Le viol de femmes et enfants a été utilisé comme une arme de guerre pour détruire les communautés. Certaines jeunes filles ont été esclaves sexuelles de groupes armés. Un drame qui a poussé Béatrice Sepaï, ancienne ministre centrafricaine, très engagée dans la lutte pour les droits des femmes, à agir. Avec la fondation Voix du Cœur, elle a ouvert à Bangui un centre qui accueille des jeunes filles de la rue. Le but, les aider à retrouver une dignité. De passage à Paris, elle nous a donné son témoignage. On l'écoute. Avec la crise, on a vu qu'il y a les filles qui sont devenues des enfants de la rue malgré elles. Celles qui étaient sur les sites, qui ont été violentées, qui n'ont plus de parents, et celles qui ont quitté les régions de conflit pour venir à Bangui. Souvent, quand on le fait aux filles, on violente les filles, c'est au-dessus de tout le monde. Donc, ça amène la honte dans la communauté et chez les parents proches de la fille
qui n'accepte plus la fille. Personne ne s'en occupe. Donc nous avons ouvert un centre. On les récupère pour les réhabiliter. Elles sont accueillies par une religieuse qui les accompagne, leur redonne la confiance avec les éducatrices qui sont autour d'elles et les forme d'abord en alphabétisation pour celles qui ne sont pas allées à l'école ou encore en remise à niveau scolaire pour les réinscrire dans le cursus normal scolaire. Et elles font beaucoup d'activités manuelles, de transformation alimentaire, de la teinture sur les tissus, etc. Il y en a qui ont déjà commencé à retourner en famille. Parce que quand on réhabilite la fille, les parents acceptent mieux de les récupérer malgré tout ce qu'elles ont subi. Sylvie Bucarit-Pantua, c'est vraiment la double peine, c'est-à-dire des jeunes filles qui sont violentées dans leur chair et qui aussi sont rejetées parce que c'est un tabou dans les familles en Afrique. Oui, tout à fait. Ça ne veut pas dire que leur vie est définitivement perdue parce qu'il y a un certain nombre d'associations, dont certaines sont nos partenaires, mais aussi des services d'église dépendant soit des conférences épiscopales, soit de diocèses. J'ai en tête des exemples, effectivement, en Centrafrique, mais aussi en Éthiopie, mais encore au Mali, par exemple, où vous avez des actions qui sont menées auprès de ces jeunes personnes pour à la fois libérer la parole, c'est toujours une étape importante, et leur apprendre, finalement, dans des processus de résilience, à redevenir, au fond, maître de leur vie, de leur destin, à pouvoir les former pour pouvoir construire une vie future où elles seront debout et où elles auront pu surmonter, au moins en partie, les traumatismes qu'elles ont subis. Mais il est clair que par rapport à des garçons qui peuvent subir eux-mêmes des traumatismes, c'est même pas une double peine, c'est multiplié par tellement finalement de difficultés qu'elles ont rencontrées tout au long de ce chemin extrêmement douloureux et qu'elles subissent de façon beaucoup plus importante finalement que les garçons, là encore, la difficulté pour les accompagner dans ce chemin de résilience, elle est grande évidemment, mais d'une certaine manière, je voudrais dire en tout cas sur plusieurs situations et plusieurs pays où j'ai vu le travail qui était fait, je ne sais pas si c'est un paradoxe, je ne sais pas si on peut dire que c'est lié au sexe ou pas, mais je constate une capacité à s'en sortir qui finalement, dans la durée, est plus solide que celle de garçons qui se laissent peut-être aller à des facilités qui ne leur permettent pas finalement de rentrer dans une vie normale, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des chemins de délinquance ou de mercenariat. Yolande Francisco, il y a cette résilience de la femme en Afrique. Résilience de la femme en Afrique, et donc je pense que je souriais tout à l'heure en l'écoutant parce que je pense que ça se voit qu'elle est au cœur des choses et qu'elle comprend franchement comment ça se passe. Effectivement, ces filles, tout n'est pas fini. C'est vrai qu'elles subissent des violences physiques, morales et psychologiques, mais la résilience reste là, c'est-à-dire que la femme, elle ne baisse pas les bras, elle ne se morfond pas, elle se lève et puis elle recherche toujours sa dignité, avoir sa dignité dans tout ça. Et je pense que nous, les associations, nous sommes là, il y a les associations chrétiennes, il y a les associations laïques, et nous sommes là, moi par exemple, à travers le REFA, qui est le réseau des femmes entrepreneuriales d'Afrique, il y a Sedufa, nous organisons des campagnes, comme l'a dit tout à l'heure la sœur, il y a des campagnes de vulgarisation, de sensibilisation. Tout dépend de l'éducation à la base, c'est-à-dire comment donner à ces femmes accès à leurs droits.
il faut qu'elles le connaissent, mm-hmm. qu'elles les connaissent, qu'elles sachent les réclamer. Donc, il faut une éducation à la base, organiser des campagnes d'alphabétisation, organiser des ateliers, les préparer, les former à quelque chose, leur donner envie d'aller plus loin, leur donner envie de se battre, parce que seules, elles ne peuvent pas y arriver. Mais il faut mm-hmm. des groupes de femmes, des organisations de femmes pour aller à leur secours, aller à leur rencontre, les écouter, les accompagner et les appuyer dans leur action pour être autonomes, parce que le plus important, le but du jeu, c'est de les autonomiser, de les rendre autonomes sur le plan physique, économique et sur le plan social, pouvoir s'exprimer, parler. Tout à l'heure, dans le reportage, on a vu rapidement que les femmes ont commencé par prendre la parole, et c'est aussi l'action conjuguée de toutes les autres femmes qui sont conscientes de cela et qui se battent pour que ça aille de mieux en mieux. Sœur Jeannette, finalement, derrière toutes ces violences, c'est quoi la vision sur la femme africaine dans son environnement familial ? Bon, la femme, on peut dire que dans la tradition, elle tient une grande place, même si les hommes ont repris cette place. Enfin, j'ai été touchée tout à l'heure par le concept de honte qu'évoquait Béatrice Sepa. Et derrière ce concept, beaucoup d'abus. Parce que justement, enfin, chaque femme tient à sa dignité et du coup, pas seulement à la sienne, mais à celle de la famille. Ce qui fait que il y a des actes qui sont commis et on n'en parle pas parce que c'est pas seulement moi qui suis en cause, mais toute la famille derrière. Donc, des actions conjuguées que les femmes puissent se parler et d'autres plus éclairées les aident. C'est de cette manière-là qu'elles arrivent finalement à faire reconnaître que ça, c'est condamné par la tradition et au nom de cette tradition, hein, ça fait partie des choses qu'on a entendues aussi dans les reportages, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et pourtant, on voit le poids de cette tradition. De cette tradition-là. Il y a du bon dans cette tradition, il y a du mauvais aussi. Et toute la question est le discernement. Donc, et pour ça, l'Église apporte beaucoup d'aide aux femmes. De quelle manière, justement ? Bon, dans l'information, la pédagogie ? Dans l'information, on s'appuie sur ces valeurs évangéliques que les femmes découvrent elles-mêmes. Et à travers ça, elles disent « non, c'est pas possible ». Et du coup, elles osent. Donc, le rôle de l'Église et des religieuses que nous sommes, c'est plus un rôle d'accompagnement mm-hmm. pour que ce qui est caché et qui n'ose pas venir se manifeste au grand jour mm-hmm. et soit reconnu. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ce rôle-là que nous jouons, je dirais. On va parler à présent de la place de la femme africaine dans la société. Retour pour cela au sud du Bénin. L'association Sindo aide des femmes à s'organiser collectivement pour sortir de la pauvreté qui touche environ 36% de la population et affirmer leur place dans la société. Un exemple dans la région de Zé où certaines femmes n'hésitent plus à prendre la parole devant les hommes pour tenter de faire bouger les lignes. Voyez ce reportage. Nous sommes à Zé, une commune à une trentaine de kilomètres de Cotonou. Tous les 5 jours, c'est jour de marché. Les habitants de tous les environs se retrouvent ici pour acheter et vendre fruits, légumes, viande. Un univers presque exclusivement féminin. Au milieu des allées, un groupe de femmes tente de sensibiliser aux questions de propreté. Elles-mêmes vendeuses dans ce marché, elles ont décidé de prendre des initiatives pour tenter d'améliorer les choses. Ici, ce sont les hommes qui dirigent et prennent toutes les décisions concernant le fonctionnement et les infrastructures. À la fin du marché, les femmes rencontrent donc les chefs de village pour leur faire des suggestions concrètes. Il y a quelques années,
Jamais ces femmes analphabètes n'auraient imaginé prendre la parole ainsi, devant des hommes, pour défendre leurs droits. Si aujourd'hui ce petit groupe de femmes se bouge, c'est grâce à l'association Sindo. Fondée par deux sœurs il y a plus de 20 ans, elle œuvre pour que les femmes prennent une part active au développement économique de leur famille, mais aussi qu'elles s'impliquent plus dans la vie de la collectivité. Sindo, en fait, c'est notre dialecte, c'est un fond. Ça veut dire que nos actions émergent de la base et d'apporter nos soutiens, nos connaissances, de participer ou de contribuer au développement de nos populations. Cela passe par le faire-faire. L'association compte 5 personnes, dont 3 animatrices, qui vont dans les villages former d'autres femmes, qui à leur tour pourront transmettre ce qu'elles ont appris. Et dans ces villages parfois très reculés, le premier obstacle, c'est le poids de la tradition. C'est le fondement. Nos familles sont fondées sur les traditions. Et c'est comme un code de conduite, taillé par les hommes pour pouvoir régner sur les femmes. L'un des exemples marquant l'héritage. Depuis une quinzaine d'années, les femmes ont le même droit que les hommes en la matière. Mais dans les zones rurales, cette loi n'est jamais appliquée. Sindo organise régulièrement des causeries pour faire avancer les choses. Reste à savoir si ces paroles seront suivies d'effets. Des petites avancées grâce à ces femmes qui se bougent. Certaines arrivent même à prendre des responsabilités jusqu'à devenir chef de village. Pas à pas, toutes ces femmes qui vivent dans des villages reculés font entendre leur voix. Elles deviennent un peu plus autonomes et prennent conscience qu'elles peuvent devenir pleinement actrices de l'avenir de leur famille et plus largement de leur pays. Yolande Francisco, une réaction sur ce reportage ? Non, ben, ça me replonge dans les réalités de chez moi. Et avec des choses très positives. Avec des choses très positives, effectivement. Et c'est encourageant parce qu'on voit qu'il y a quand même du progrès. Il y a des choses qui se font. Le monde bouge. On déplace les limites et c'est bien de le relever. Donc, je pense que oui, nous sommes des femmes et nous sommes responsables des autres femmes. Nous sommes co-responsables. Donc, on doit se battre. Ça, c'est, que c'est nous une soyons. Spécificité en Afrique, vous pensez, plus qu'ailleurs je parle pour le nom de l'Afrique, déjà, parce que je sais que c'est la solidarité à la base est quelque chose de très forte en Afrique. Ouais, et donc, dans le cercle familial, un peu partout, on est toujours... Ouais, voilà. Donc, on est ensemble, on se bat toujours ensemble et puis on déplace les montagnes ensemble. Je pense que les fondatrices de l'association Sindo ont bien vu depuis 30 ans de faire ça. Et ça, c'est le fruit de leur progrès, de leurs efforts. Et nous qui sommes ici, il faut qu'on en fasse écho et qu'on essaie de les appuyer à notre manière. Je pense que CCDF en fait beaucoup et c'est important. Je pense qu'il faut que ça crée une émulation, que d'autres personnes aussi voient, que des jeunes filles qui sont dans des contrées ou dans des cités qui ne sont pas concernées encore, qui n'ont pas personne pour leur venir, qui n'ont personne encore pour leur venir en aide, regardent et qu'on se lève, les consciences s'éveillent
pour que la femme, la condition de la femme s'améliore, mmh. qu'elle change. Renaud Angstelm, là on voyait le cas du Bénin. Est-ce que c'est assez répandu en Afrique, des situations comme ça où des femmes prennent la parole, on voyait cette chef de village, ça paraît fou? Je dirais toute l'Afrique est avide de changement. Elle attend le changement, elle saisit toutes les opportunités, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des paysans, des musulmans, des chrétiens. Et, vous les voyez, ces changements. Et on le voit un peu ouais. partout dans tous les pays. Mm-hmm. Et en même temps, effectivement, la présidente du CCFD l'a rappelé, elle part de loin, avec beaucoup d'handicap. Dans ce reportage, on voit des femmes qui vivent dans des petits villages ruraux. Leur périmètre de vie est très court. Elles ne vont pas à 50 km, elles vont à 5-10 km, peut-être au marché à côté. Donc elles partent quand même avec beaucoup d'handicap. Et c'est là que j'ai entendu vos paroles tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié la co-responsabilité, c'est-à-dire que de faire face à cette difficulté de démarrer un processus. C'est très difficile de mobiliser à partir de rien. Mmh. Et donc, effectivement... C'est quoi l'étincelle, le point de départ? Je crois que Jérôme et Emma, qui sont les deux fondatrices de Sindo, ont un peu le même parcours que vous. Mmh. C'est-à-dire qu'elles ont fait des études à l'étranger, mais elles ça, sont diplômées... Monde, oui, mais elles reviennent à l'occasion au village et à un moment observent quelque donc, chose qui les choque. Il faut des personnes éduquées qui viennent... Oui, ça ne part pas comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a une co-responsabilité. Le deuxième mot qui est important, c'est la confiance. On ne peut pas venir et instaurer le changement. On ne peut pas l'imposer imposer. Rapidement. C'est quelque chose de très très lent. C'est une multiplicité de petits actes qui vont prendre un sens et qui sont... Donc il y a cette logique d'accompagnement, mais qui n'est possible parce que au départ, on a construit la confiance. C'est cette confiance qui autorise progressivement le dialogue et qui va permettre d'abord la conscience du moi, c'est-à-dire que les femmes vont prendre conscience d'elles-mêmes et de leur capacité, de leur propre dignité. Ensuite, le nous, c'est-à-dire le groupe, ensuite le faire, de faire participer. Voilà. C'est un processus qui est très lent au départ et qui s'accélère progressivement. Et en vous écoutant et en connaissant bien Sindo, bien sûr, on voit bien comment ces femmes progressivement prennent la main et puis ensuite peuvent... En même temps, les femmes ont un handicap qui fait qu'elles auront du mal à le porter trop loin, ce combat. Parce que justement, elles sont dans une sphère un peu plus étroite. Mais ça, moi, je le vois en Centrafrique, je le vois au Tchad, sans difficulté. Oui, on voit aujourd'hui des communautés entières, femmes et hommes, qui prennent en charge la lutte contre les violences basées sur le genre. Pays chrétien, pas chrétien, est-ce que c'est des paramètres qui rentrent en jeu ? Là, je parle d'un exemple qui se passe en zone sahélienne musulmane au Tchad, dans la région de Bokoro, où... C'est pas un paramètre de développement, ça ? Non, je ne crois pas. Je crois que simplement, on n'instaure pas le changement. Il y a un désaccord, là. Non, parce que je veux dire, on n'instaure pas le changement. C'est quand les communautés prennent conscience et ensemble, à un moment, acceptent de porter ce changement. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on peut faire beaucoup de choses. Sinon, elles prennent ce qui les arrange, le puits, l'école. Mais en termes de normes sociales, en termes de coutumes... ça ne changera rien, et donc le changement n'aura pas lieu, dans le fond. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important, et ce processus, bon, il se fait à peu près partout, de la même manière. Sylvie Bucari de Pontual, alors, on entendait donc des femmes analphabètes, qui quand même finissent par prendre la parole, c'était totalement inespéré il y a quelques années, mais dans le fond, c'est quoi? C'est l'éducation, le défi, et de quelle éducation on parle? L'accès à l'école, oui, c'est un idéal, il y a plein d'endroits où ça n'est pas possible, que ce soit pour des raisons d'accès géographique, marcher 10 km pour aller dans la première école quand on est en pleine brousse, les frais de scolarité, les fournitures. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'éducation quand on parle de cette fameuse éducation? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a l'éducation telle que vous l'avez évoquée, et là, il y a beaucoup à faire. Moi, je connais des communautés dans un certain nombre de pays d'Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, où les communautés très éloignées, finalement, des cités et des centres urbains, finalement abandonnées aussi par les représentants de l'État, se sont pris en main. C'est-à-dire qu'elles ont construit une école, elles ont fait venir les éducateurs, les instituteurs ou institutrices. Mmh. Et donc, c'est la communauté qui a estimé que c'était si important qu'elle assumait ce choix-là. Et là, ça me paraît très, très important. Parce que ça veut dire quoi? L'éducation, à ce niveau-là, c'est un choix politique d'abord. D'accord. Un choix de la communauté, là, je parlais vraiment au plus près. On ne se situe même pas au niveau de l'État, alors. Mais
Pas forcément. Il faut vraiment que ça parte du bas. Mais évidemment, au niveau de l'État, c'est un choix politique. Ouais. Et je voudrais juste donner trois exemples de pays en Afrique qui ont fait ce choix résolument prioritaire de l'éducation, qui sont le Burundi, le Mozambique et le Lesotho, et qui ont aujourd'hui un taux d'éducation de leur population, tous sexes confondus, donc de façon égalitaire, de plus de 90%, avec des effets dans ces pays que l'on peut observer aujourd'hui. Économique. Donc ça, c'est économique, etc., et sociaux. Ça, c'est très important. Il y a une autre dimension dans l'éducation, ça a été évoqué dans le reportage que nous venons de voir, qui me paraît au moins aussi importante, c'est finalement donner confiance aux femmes pour qu'elles osent s'exprimer, elles osent donner leur position, leur point de vue, qu'elles apprennent à argumenter, qu'elles apprennent à construire des consensus, à construire des solutions de compromis, sans se compromettre, évidemment. Ça, c'est également extrêmement important, et ça s'apprend. C'est pas inné, j'ai envie de dire, mais même chez nous, quand on demande à des militants associatifs d'aller parler à leurs responsables politiques, ils sont complètement perdus, ils ne savent pas comment il faut faire. D'éducation aussi, et donc ces femmes sont dans la même situation, et je dirais ça commence par la famille. Tout simplement, comment vont-elles être en capacité de dire leurs faits à leur mari, à leur fils. Et moi, j'ai quelques exemples en tête absolument extraordinaires. Je trouve que c'était la plus belle récompense de femmes qui, dans l'appui qu'on pouvait leur donner, dans l'organisation qu'elles pouvaient, dont elles pouvaient se doter, ces femmes, finalement, et pour moi, c'était vraiment un don merveilleux, vous disent « Ah ben, vous savez, en fait, ce matin, mon fils m'a dit « Maman, tu es quelqu'un ». Et le regard de ce fils devant sa mère qui avait osé parler au mari dans la famille pour poser finalement son point de vue, eh bien tout d'un coup cette mère était sortie grandie devant les yeux de son fils. Eh bien il y a la même chose, je dirais, après la famille, dans les communautés. Quand les femmes, au plan local, peuvent commencer à parler aux chefs coutumiers ou aux représentants de l'État dans le village où elle est. Et on peut étendre cela. Je donnerai un exemple, la région de Kaye, au Mali, où une expérience a été tentée que je trouve extrêmement intéressante. Elle a été utilisée après dans beaucoup d'endroits, où dans cette région, il n'y a que 4% de femmes dans les élus locaux et régionaux, et 390 communes, sur ces 390 communes, seulement 19 femmes membres des assemblées communales. On a donné à ces femmes, on les a accompagnées dans une vraie formation, ça c'était une chose, classique je dirais, mais surtout on a négocié avec l'ensemble des assemblées régionales et locales et les partis politiques pour qu'ils ouvrent leurs portes aux femmes et leur assurent une certaine représentativité. Ça a complètement, en plusieurs années, ça a complètement transformé l'implication politique des femmes dans cette région. Alors vous parliez de Kaye au Mali, justement, on s'y rend tout de suite, pays d'environ 18 millions d'habitants sur un territoire deux fois grand, plus grand que la France. Eh bien, l'agriculture représente dans l'économie malienne 80% des emplois, 30% des exportations. Après la famine du début des années 70, le pays a favorisé l'agrobusiness. Mais le Mali reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Depuis quelques années, dans la région de Kaye, à l'ouest du pays, des programmes encouragent les petits paysans à cultiver autrement, en respectant les ressources naturelles. Des femmes contribuent à ce circuit agricole en faisant de la transformation de produits un moyen d'améliorer leur qualité de vie, comme on va le voir dans cet extrait de reportage de Marine Le Boulanger. À Tombokané, l'association des femmes a décidé de lutter contre la malnutrition et pallier les carences alimentaires et s'est lancée dans la production de semences de niébé. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Si on ne trouve pas de viande, le niébé peut la remplacer. Même les femmes enceintes, pour éviter les carences, on leur conseille d'en manger. Dans le quartier de Lafiabougou, à Kaye, les femmes complètent leurs revenus grâce à la transformation du fruit du baobab, le pain de singe, comme on dit ici, fruit emblématique de la région, mais aussi grâce au gingembre. Au lieu d'exporter les fruits vers le Sénégal pour qu'ils soient transformés là-bas, elles le réduisent en poudre et en font des jus. Elles comptent ainsi profiter de la valeur ajoutée du produit. On a extrait le sirop, le jus concentré. Donc on a ajouté 3 litres encore sur ça.
et on a obtenu ce sirop. Auparavant, on faisait seulement le sirop. Maintenant, on a vu qu'on peut en sortir un autre produit qui est le jus de gingembre. Donc ça aussi, ça nous a rapporté. Donc avec un seul produit, on obtient 33 produits. Bruno Angstem, alors cet exemple au Mali, est-ce que c'est répandu ou pas là, les femmes qui ont compris la valeur ajoutée qu'elles peuvent tirer d'un produit? D'abord, les femmes, c'est elles qui gèrent un peu le commerce quand même. Faut pas l'oublier, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les femmes circulent beaucoup en Afrique et elles ne sont pas toujours tendres envers leurs sœurs hein, dans les opérations commerciales par rapport à l'achat du maïs. Faut un peu le rappeler, mais c'est vrai qu'au Mali, au Burkina, il y a vraiment une tradition de ces femmes de la transformation qui est assez extraordinaire, qu'on ne retrouve pas partout, mais c'est des choses qui commencent à arriver. C'est dû à quoi d'ailleurs? C'est le contexte agricole, c'est quoi? Oui, peut-être probablement une transmission de des politiques ouais. particulières aussi. Ouais. Au Burkina, par exemple, il y a une politique d'irrigation très massive avec des bassins, ce qui fait qu'il y a beaucoup de produits en contre-saison qu'il faut transformer. Voilà, il y a une tradition qui s'est faite. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'évoque par rapport au débat de ce jour, c'est que quoi qu'on fasse, une des étapes indispensables pour que les femmes puissent rentrer dans ce chemin, c'est aussi l'économie. C'est-à-dire que c'est elles, parce que c'est elles qui ont la responsabilité de nourrir la famille, les enfants, les scolariser. C'est ainsi. Alors peut-être qu'au bout d'un long processus, ça se rééquilibrera dans les ménages, ce qui est le cas, mais au départ, ce sont elles. Or, elles vivent avec peut-être moins d'un euro par jour. Je veux dire que. Et donc, leur redonner confiance passe aussi par des petites choses. Alors, le groupe, on en a parlé, le groupe a besoin aussi d'avoir des instruments économiques pour se libérer aussi, mais je pense que les femmes ont besoin d'avoir des activités économiques qui leur donnent de l'assurance, qui leur permettent d'avoir des activités, de la dignité. Et ça, c'est indispensable. C'est vraiment, je n'ai pas connaissance d'un projet ou d'un processus d'accompagnement des femmes où il n'y a pas systématiquement des formations en transformation, en des fonds de microcrédit, enfin voilà, il y a systématiquement, c'est presque un préalable, je dirais, ça fonde la dignité malgré tout. Et Sindo le dit bien d'ailleurs, elle dit on est obligé de commencer par ça. Parce qu'en réalité, c'est ça la priorité des femmes, c'est pouvoir nourrir les enfants, habiller les enfants, etc. Ça c'est incontournable. Oui. Sœur Jeannette, la dignité par le travail, hein, évidemment, ça, c'est au cœur de la doctrine sociale de l'Église. Tout à fait. Et c'est très important. Enfin, tout à l'heure, j'ai été touchée par le reportage des femmes, là, qu'elles ont un savoir-faire et que c'est de l'intelligence. Donc, avec un peu d'accompagnement, d'encadrement, elles peuvent le manifester. Et pour moi, la vraie autonomisation des femmes, c'est ça. Et comme il le disait tout à l'heure, les femmes, c'est par le commerce, c'est par l'acquisition des moyens financiers qu'elles s'affranchissent de la domination des hommes et qu'elles subviennent aux besoins, à leurs propres besoins, voilà. À ceux de leur famille. L'Église, elle encourage ça aussi, là-bas? Je crois que oui, l'Église encourage ça. L'Église, vraiment, est aux côtés des femmes, hein. Même s'il y a des avancées dans certaines situations, parce que c'est toujours l'homme qui décide, hein. On revient toujours à la même chose, mais les femmes sont très présentes, et aujourd'hui, sans les femmes en Afrique, l'Église n'existerait pas, y compris en Afrique, dans le monde, je dirais. Ça, c'est une belle phrase. Parce que c'est vrai. Ouais. Parce qu'elles sont acteurs dans tous les domaines. Ouais. Avec le peu qu'elles gagnent, elles subviennent aux besoins de l'Église locale. Oui, aussi. Aussi. Donc, elles sont partout, sur tous les fronts. Les congrégations sont souvent féminines. Hein, aussi. Donc, la présence féminine porte dans l'action sociale. Voilà. Ouais. On ne peut pas construire ce monde sans les femmes et leur accès à des postes de responsabilisation, à la politique, dans des lieux de décision, est importante pour qu'on vive d'égal à égal, parce que c'est ça l'Évangile aussi. Voilà. Un mot, Yolande. Voilà, je rebondis sur tout ce qui a été dit déjà. Rapidement. Je veux dire que la femme en soi est une personne qui a des aptitudes, qui a des atouts, qui a du talent.
Et ces talents, il faut les fructifier, il faut les aider, il faut les accompagner. Et quand je reste au Bénin, au Togo, par exemple, les femmes, les premières femmes qui entretenaient l'économie, c'est les Nana Benz. C'est des femmes qui ont vraiment la capacité de gérer une entreprise, leur petite entreprise, leur commerce de paille. Et donc, elles réussissent. Et c'est elles qui ont des Mercedes, donc on les appelle les Nana Benz, qui ont le pouvoir d'achat. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte et qu'on donne à ces femmes la possibilité de démontrer ce dont elles sont capables, qu'on les accompagne, qu'on leur donne. C'est l'économie, comme a dit mon voisin, c'est l'économie. Il faut leur donner leur place dans l'économie, dans le processus économique et les accompagner. Pour Merci. Terminer ce tour de table, Sylvie Bucarie-Pontual, alors vu d'ici, nous, les chrétiens, à quoi est-ce qu'on est appelé, peut-être, par rapport à ce qui se vit en Afrique pour ces femmes ? À les accompagner, à les soutenir. On n'a pas évoqué la prière. Elle est déterminante. C'est le moment. Déterminante. Action et prière. Prière et action. Et puis, avoir l'espérance et la confiance chevillées au cœur et au corps, parce que cette évolution, cette prise de responsabilité et de dignité des femmes, c'est vraiment sur du temps long. Merci à tous les quatre de nous avoir rejoints le temps de cette émission consacrée aux femmes africaines. Alors, je rappelle que la mission du CCFD est de mobiliser les chrétiens en France, en particulier durant le carême, pour soutenir ces projets. Sachez qu'une quête aura lieu dimanche 7 avril dans toutes les paroisses. Je vous souhaite, quant à moi, un très bon chemin vers Pâques. C'est la fin de cette édition. Au revoir.